savoir qu'est-ce qui se passe avec les amis à côté de moi. J'ai pas besoin de te dire c'est qui. Hein? Ce qui se passe, ben, il y a eu des développements depuis la dernière rencontre, en ce sens que... comment s'appelle l'usine, là? Emballage. Non, non, l'autre, là. L'autre qui est fermé, là. Prismiam. Bon, Prismiam a refusé de vendre un terrain à Emballage Saint-Jean. Donc, comme vous l'avez dit, il y avait deux options. Donc, il y a une autre option qui va faire objet d'une présentation au conseil municipal, possiblement la semaine prochaine. Donc, c'est okay. Puis, Darona, le dernier coup, on avait venu, vous aviez dit qu'il avait demandé une permission pour garder les portes ouvertes parce qu'il y avait quelque chose non. de brisé ou quelque chose de genre, là? Non. Qui est femme, les portes, là, là ça, ça Darona, bien, là. Darona a été visité par le service de développement. Le vendredi soir, on l'a appelé à 9h30, ça amenait des vacances du calvaire. Ses portes étaient ouvertes? Oui. Bon, OK. Parce que Darona a été visité jeudi, okay. entre autres, pour son entreposage extérieur. Ah, OK. Pour son entreposage extérieur. Puis c'est sûr que sur le brume, on les suit à chaque année. Alors, c'est non, ils ne travailleront pas avec les portes ouvertes. Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Puis, quand on est venu le dernier coup, on vous en a parlé. Puis les portes ouvertes de trois pieds, puis c'était correct. Il y avait des bris de fan ou quelque chose, ils attendaient des morceaux. Mais là, les portes sont ouvertes à grandeur, puis tu entends ça t'approcher à jour d'un long. Là, là. Okay. Plus capable. OK. Puis tes camions, là, c'est la même affaire. Là. Samedi, là, tu arrivais à 10 h le matin, puis c'est parti de là à 3 h 30. À soir, là, à 4h30, il rentrait un. Mais arrivé chez nous, à 8h, il va en avoir encore un. Là. Chez Darona? Chez Emballage Saint-Jean. Chez Emballage Saint-Jean. Tu sais, il va falloir qu'il se passe quelque chose à quelque part. Là. Chris, il faut que je tienne mes vitres fermées chez nous. Puis en plus, ils partent le camion, aussi, puis l'exhaust rentre dans la maison. Faites quelque chose, parce que là, ça va aller mal tout à l'heure. Ça va aller mal, je vous le garantis que ça va aller mal. C'est parce pas... que là, ça fait trop longtemps. Là, là un an, vous nous aviez dit qu'il y aurait eu un mur. Il n'y a jamais eu de mur. Vous nous aviez dit bien des choses, il n'y a rien qui s'est passé. Ou qu'il se passe quelque chose. Il s'est passé certaines choses, mais pas à votre satisfaction. J'en conviens. Certaines choses? Donnez-moi quelque chose de concret, d'abord. Bien, il y a eu l'isolation des fans, entre autres, sur le toit. Là. Ça a été fait. Il y a eu l'isolation des tuyaux un peu à l'extérieur. Mais le mur anti-bruit là, qui devait être fait, Jean Raccordéon, n'a pas été possible. Comment ça, j'ai donné ça, ça n'a pas passé. Ça n'a pas été possible. Donc, l'option qu'on a... Bien, je pense que vous en connaissez en partie, c'est une option qui est très coûteuse, puis il faut que le conseil se prononce dessus. Ça devrait passer la semaine prochaine? Ça doit être au plénier, je pense, ça devrait être le mardi prochain, oui. Parce que moi, je regarde ça aller, puis je me dis, les vacances vont arriver, puis il n'y a rien qui va se passer. Puis après ça, vous allez tous débarquer au mois de novembre, puis là, ça va recommencer à zéro. Ça fait 25 ans que ça dure. T'sais. Non, vous avez des prédictions négatives. Un petit peu. Ça fait 2 ans que tu me dis que les trucks ne seraient pas là, puis sont encore là. Il s'est fait des choses, M. Surprenant. Les trucks sont encore savez, là, pareil, dans la rue. Vous le c'est savez. Moi qui les ai dans ma cour, Calvaire. Vous le savez, là. Vous le savez qu'on ne peut pas fermer l'usine. Vous savez ça. Puis vous savez que la solution qu'on a sur la table à dessin, c'est une solution radicale qui va coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Vous le savez. Il faut que ça passe par le conseil, puis il faut que le conseil soit d'accord avec cette solution-là. Je pensais que c'était déjà passé, mon conseil. Non. Ça non, la dernière fois, j'ai dit que c'était pas passé. La dernière assemblée, j'ai dit qu'il y avait deux options. Ouais. L'achat d'un terrain de Prismiam qui était revenu sur la table et l'option, celle-là, qui était plus importante. Autrement dit, on peut dire que ça ne marche pas. Exact, c'est ça. Donc, le conseil va être saisi du projet sur lequel travaille le service du développement économique. Je pense que c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je vous en prie.